Bonjour. Ici, vous avez plus de 100 millions de mètres cubes d'eau sous mon canoë. C'est l'eau de la Molde, du Thorion et de la Vienne. Et c'est là qu'est stockée la plus grande partie de l'eau nécessaire à tous les utilisateurs du bassin de la Vienne. Et ils sont très nombreux. Je suis Frédéric Ravel-Sibillot, ingénieur à EDF, et je vous propose de découvrir le parcours de l'eau de la Vienne sur 200 km, de Vassivière jusqu'à Châtellerault. Et ensemble, nous allons découvrir comment on gère et on partage cette ressource. Et cette ressource est gérée par EDF sur plus de 250 km. Le pari, depuis 60 ans, c'est de permettre à tous les utilisateurs de partager l'eau de la Vienne tout en protégeant cette ressource qui fait partie de notre patrimoine. Alors, c'était bien? Ouais, super. Bon, a priori, niveau sympathique quand même. Ouais, ça fait un petit moment que je pratique. Ça fait un petit moment et... Une vingtaine d'années, d'accord. Ouais. Et vous avez appris où alors? Vous pratiquez en mer ou J'ai pratiqué dès l'âge de 3 ans, ici, sur ce même lac. Je viens tous les ans depuis cette grande jeunesse-là. D'accord. Donc vous êtes né avec presque avec le lac de Vassivière. Né dans la glisse. Alors le tourisme n'est pas la vocation première du lac de Vassivière, mais c'est un enjeu majeur pour la région du Limousin. Stéphane Cambou, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes président du lac de Vassivière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet enjeu économique? Bah écoutez, on est sur le plateau de Millevaches, on est sur un territoire un peu fragile, donc cet équipement, il est de fait majeur pour la vie ici d'un certain nombre de populations. Et le syndicat mixte, par exemple, c'est 15 personnes pendant l'hiver qui travaillent à l'entretien du site, et c'est plus de 70 personnes l'été qui sont ici. Donc, preuve en est que c'est une force économique importante. En 2010, nous avons transporté plus de 102 000 passagers, et que l'année 2011, c'est 178 000 passagers qui ont été transportés. On espère faire mieux cette année. C'est un lac qui est essentiellement là pour la production d'électricité initialement, donc il est soumis à des variations de cotes assez importantes, surtout en début et fin de saison. Comment vous vous adaptez donc à ces contraintes? Les touristes aiment bien quand le lac est un tout petit peu bas. Ils aiment bien quand il est un tout petit peu bas parce qu'il y a les plages. Alors les pêcheurs, eux, n'aiment pas, parce que quand il est trop bas, ça leur pose un problème. Et puis nous avons les contraintes qui sont liées donc à ce transport public, faire en sorte que les visiteurs qui viennent ici puissent accéder au bateau en toute sécurité. D'accord. Ça veut dire en clair qu'il a fallu qu'on adapte et qu'on continue à adapter les pontons sur lesquels nous sommes pour qu'ils suivent le niveau du lac, puisque à certaines périodes, on baisse de 7 mètres. Donc on est sur des contraintes qui sont quand même très importantes. Donc ce ponton, il est capable de descendre de 7 mètres? Exactement. Bravo. Derrière moi, nous avons le barrage du lac de Vassivière, mais la production d'électricité, c'est pas ici que ça se passe, c'est au niveau de Peyrales-Château. Et je vous propose d'aller voir. Bien, nous voilà arrivés à l'usine de Peyrales-Château, donc la plus grosse usine de production hydroélectrique du bassin de la Vienne. Donc c'est 40 mètres plus bas que ça se passe. Je vous propose d'aller voir avec le maître des lieux comment arrive l'eau et comment elle produit de l'électricité. Bonjour Didier. Bonjour Frédéric, bienvenue à la centrale de Peyrales-Château. Merci bien. Je vous présente Didier Casse, qui est le responsable d'exploitation de l'usine. Didier, est-ce que tu peux nous présenter ta centrale? Bah écoute, il n'y a pas de problème, donc c'est par là que ça se tient. Eh ben, on va aller voir ça. Voilà Frédéric, donc là on se trouve dans la centrale de Peyrales-Château, donc à 40 mètres sous terre. Okay. Bah, comment ça se passe? Donc bah, tu as le lac de Vassivière, où est-ce que vous étiez tout à l'heure, à 250 mètres plus haut en altitude. Tu as une galerie qui permet d'amener l'eau jusqu'au pied de chaque machine. Et c'est le principe de la dynamo. Hein. Donc la roue turbine va transformer cette énergie hydraulique, cette poussée hydraulique en énergie mécanique en mettant en rotation cette machine. Et l'alternateur, donc ce cylindre qui est au-dessus, va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Et avec tout ça, tu alimentes combien de personnes? Donc sur cette centrale-là, on produit 111 gigawattheures, ce qui représente la consommation annuelle de la ville de Brive. En nombre d'habitants, ça représente à peu près 50 000 habitants. Bah écoute Didier, merci pour cette visite très intéressante.
Bah écoute, c'est avec plaisir. Voilà, maintenant direction Limoges. Bah, tu vas comment, en voiture et ou en canoë? Je vais descendre le canoë et je vais sur l'eau le plus tôt possible. Ah bah, allez, bien. À bientôt. Me voici sur la Vienne en direction de Limoges, et l'eau sur laquelle je navigue provient essentiellement du lac de Vassivière. Cette eau est stockée essentiellement pendant la période de printemps, l'objectif étant que les lacs soient pleins pour la saison estivale. Ces réserves d'eau vont être utilisées ensuite soit pour maintenir des débits suffisants dans la Vienne pendant l'été, soit pour produire de l'hydroélectricité pendant les périodes d'hiver, là où on en a le plus besoin. Pour concilier l'ensemble des usages avec ce que peut produire naturellement le bassin de la Vienne, nous élaborons un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Stéphane Noriot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ce schéma ? Oui, bien sûr. Donc ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux donc, concerne l'ensemble du bassin de la Vienne, de l'axe Vienne. C'est un programme en fait, qui vise à définir des mesures et des règles de gestion de la ressource en eau. Alors, il est élaboré par une commission qu'on appelle la commission locale de l'eau, qui est composé d'acteurs du territoire, et notamment on retrouve des élus, des usagers, par exemple le monde agricole est représenté, les industriels, les organismes tels que EDF sont représentés, mais aussi des associations, et un dernier collège donc représente l'État et ses administrations. Donc sur la Vienne, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Des règles de bonne conduite sont mises en place, et c'est cette commission locale de l'eau qui les fixe. Car vous n'imaginez pas le nombre et la variété des utilisateurs de l'eau de la Vienne. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais EDF, nous ne sommes pas les seuls à produire de l'électricité. Dominique Blaise, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes propriétaire de cette centrale. Alors on fait quoi ici ? De l'électricité d'origine renouvelable, de l'électricité d'origine hydraulique, donc c'est de l'hydroélectricité. Vous produisez quelle puissance ici ? Ici, on a une puissance raccordée de 307 kW. C'est la consommation de 2100 habitants. Alors, je crois que vous n'êtes pas tout seul sur la Vienne. Non, on est un certain nombre de producteurs. Hein. Il y a, en plus de EDF, on est une quarantaine de producteurs sur le bassin de la Vienne. On a décidé de se regrouper pour avoir un peu plus de représentativité. Donc, on a créé une association ou un petit syndicat qui s'appelle Syndicat des hydroélectriciens du bassin de la Vienne. Nous voici arrivés à Saya, en Haute-Vienne, c'est à la limite de la Charente, et j'ai à côté de moi la plus grosse usine implantée sur le cours d'eau de la Vienne. Allez, j'accoste. Bonjour Jean-Bernard Voisin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que nous sommes et quelle est votre activité ? Donc, nous sommes ici sur le site d'International Paper. Donc, c'est une usine qui produit de la pâte et du papier. Et quel est votre besoin en eau ? Le besoin en eau aujourd'hui est de l'ordre de 500 litres par seconde. Je précise quand même qu'on prélève l'eau dans la rivière et qu'on la rejette pratiquement intégralement dans la rivière. D'accord. On n'a pas de consommation nette d'eau, on n'appauvrit pas la rivière en eau. D'accord. Et cette eau que vous rejetez, elle est propre, elle n'est pas propre, comment ça se passe ? Nous traitons cette eau dans une station d'épuration. Alors cette eau est contrôlée tous les jours. On a des prélèvements continus de l'eau qui sort de la lagune. Il y a des laboratoires qui viennent auditer nos propres mesures. Nous voici maintenant à l'aval de Limoges et de Saya. Bonjour Dominique Lagorce, vous êtes responsable de la qualité de l'eau et de la quantité d'eau à la DREAL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions ? Le rôle de la DREAL est de contrôler la qualité des eaux des rivières de sa région, en l'occurrence ici le Limousin, mais également la quantité en termes de débit transitant sur nos rivières. Et globalement, la qualité de l'eau, elle s'améliore ? Ou pas ? Dans les zones amont qui sont peu impactées, où il y a peu d'activité humaine, la qualité est relativement bonne, relativement stable. Par contre, au fur et à mesure que l'on se déplace vers l'aval, les activités humaines prennent un petit peu le pas. On a des rejets de collectivités locales, Limoges, Émoutiers, Limoges, Saint-Julien, des industriels comme le complexe Papetier de Saya. Par contre, en termes de qualité, à ce niveau-là, du fait qu'il y a une contractualisation des débits qui sont garantis depuis quelques années, on constate quand même qu'il y a une certaine stabilité, voire une petite amélioration de la qualité des eaux depuis donc, cette contractualisation. Eh bien, merci Dominique pour ces explications. La régulation du débit contribue à l'amélioration de la qualité de l'eau.
Cela, conjugué aux efforts des grosses agglomérations comme à Limoges, ou de l'industrie comme à Saya, fait que la Vienne est plus propre aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et nous allons voir que quelques riveraines la trouvent à leur goût. Nous continuons notre parcours sur la Vienne et nous arrivons à Ansac-sur-Vienne, en Charente. Donc après avoir découvert des usages comme l'hydroélectricité, comme le tourisme ou l'industrie sur la Vienne, nous allons en découvrir un nouveau qui est l'élevage. Donc nous allons rencontrer Jean-François Thibault, que je vois sur la berge là-bas. Bonjour Jean-François. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien et vous? Ça va, je vous remercie. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Je suis agriculteur sur la commune d'Ansac avec une soixantaine de mères vaches, donc 150 animaux en permanence sur l'exploitation. Et quel est le lien donc entre votre activité et puis le lit de la Vienne? Le débit est très important pour le monde agricole puisqu'il permet d'avoir et l'abreuvement et le verdissement des prairies qui sont à côté et qui permettent l'affouragement des animaux tout au long de l'année. D'accord, mais là, l'herbe, elle ne semble pas très très verte quand même. Là, cette année, on a encore une sécheresse qui nous tombe dessus là, depuis 2-3 mois et qui commence à être difficile. Ouais. Vos vaches viennent ici s'abreuver, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a une sorte de plage où elles viennent en été se faire bronzer et profiter de l'eau courante. Et une vache, ça boit quelle quantité d'eau? Ça boit, c'est entre 50, suivant la période, entre 50 et 100 litres d'eau par jour. Écoutez, merci Jean-François. Je vous en prie. On va continuer notre parcours et à bientôt. Je vous dis pas bonne route, mais bonne navigation. Ok, merci. Au revoir. Comme sur l'ensemble des cours d'eau, la navigation sur la Vienne est parfois dangereuse et même interdite. Alors dangereuse parce qu'il peut y avoir des obstacles petits ou grands, naturels ou artificiels. Là ici, nous sommes sur la dernière chaîne de grands barrages de la Vienne. Donc c'est les trois barrages du complexe de l'île Jourdain. Pour les franchir, comme ça risque d'être très compliqué, je vais mettre le canoë sur la voiture et rendez-vous à Civaux. Après sa ferme au crocodile, Civaux est connu aussi pour sa centrale nucléaire de production d'électricité qui est juste derrière moi. Alors on voit ici la prise d'eau et on va essayer de comprendre où passe cette eau, à quoi elle sert en allant visiter la centrale. A tout à l'heure. Derrière moi, nous produisons l'équivalent des besoins en électricité de la région Poitou-Charentes. Alors nous avons ici trois circuits qui sont complètement fermés. Un premier circuit dans la partie nucléaire de l'installation qui va produire la chaleur. Un autre circuit que l'on voit derrière dans les tuyaux inox qui est aussi un autre circuit fermé qui va produire la vapeur qui est nécessaire pour faire tourner la turbine, donc de la vapeur d'eau. Et un troisième circuit qui va servir à refroidir cette vapeur d'eau de manière à ce qu'elle retourne en eau et qu'il puisse refaire un circuit. Et ce troisième circuit est alimenté directement par de l'eau brute de la Vienne. Là. Bonjour Patrick. Bonjour Fran, tu vas bien? Donc l'eau que tu as vue là-bas prise dans la Vienne passe après en souterrain au niveau pour venir jusqu'ici. Elle passe, elle est aspirée par des pompes. Ensuite elle passe dans des filtres pour ôter tout ce qui est sédiments, les grosses feuilles qui peuvent être dans l'eau, pour après te dispatcher sur les différents circuits du CNPE, la station de déminéralisation, le condenseur, les aéroréfrigérants. Donc la grande tour que tu as derrière toi, c'est un aéroréfrigérant qui sert à refroidir l'eau qui sort du condenseur. Ce condenseur qui a servi à refroidir la vapeur qui est dans la turbine va passer donc ici dans cet aéroréfrigérant, va faire donc tomber cette eau qui va être reprise par un courant d'air qui va donc refroidir cette eau. Et une seule partie va partir tout en haut en vapeur, à peu près 1 mètre cube par seconde, et le reste va retomber en pluie. C'est ce que tu entends derrière toi, ce bruit de cascade. D'accord, donc c'est un gros cylindre creux, il y a uniquement une circulation d'air. Tout à fait. Et au final, on a de l'eau de la Vienne qui s'est évaporée. Voilà, tout en haut, c'est de la vapeur qui sort. Alors pourquoi on pompe de l'eau en permanence? Alors on pompe de l'eau en permanence pour compenser donc la vapeur qui part des tours d'aéroréfrigérant, à peu près la moitié, et également pour compenser l'eau qui va repartir des bassins des aéroréfrigérants pour éviter donc l'accumulation de sédiments dans les bassins. Alors avant de repartir, est-ce qu'elle subit des traitements cette eau? Alors elle passe dans des stations UV pour éviter donc d'avoir des problèmes de bactériologiques à l'intérieur, ce qu'on appelle les amibes. D'accord. Et donc après elle passe dans ces aéroréfrigérants que tu vois ici pour la refroidir en cas d'élévation de température pour garantir que l'eau qui va être rejetée dans la Vienne ne sera pas trop chaude.
Sur la Vienne, les activités nautiques et de loisirs sont nombreuses, mais la qualité d'eau est-elle compatible avec ces activités? Monsieur Robert, bonjour. Vous êtes de l'ARS. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ARS? L'Agence Régionale de Santé. Donc nous avons comme mission d'assurer la santé des populations. Si on parle de la qualité de l'eau baignade, au regard des usages sanitaires, et on est obligé de parler des usages de l'eau potable. Sur un certain nombre d'indicateurs, qui peuvent être des indicateurs très simples, type la transparence. On voit effectivement une amélioration par rapport à il y a une trentaine d'années. Sur un certain nombre de paramètres beaucoup moins visibles, y compris des paramètres fins, comme les organes chlorés, il faut savoir qu'il y a eu des efforts de fait par un certain nombre de partenaires usagers du bassin versant, notamment des industriels. Et aujourd'hui, la ville de Châtellerault délivre une eau, par exemple, de meilleure qualité qu'elle a pu la délivrer il y a plusieurs dizaines d'années. Donc il y a des contrôles particuliers sur cette eau potable? Donc il y a des contrôles, d'abord de l'exploitant. L'exploitant est le premier responsable de la qualité d'eau qu'il va distribuer. Et nous assurons le contrôle de l'exploitant. Alors, vous l'avez compris, l'Agence régionale de santé nous explique que c'est l'État qui garantit l'équilibre entre ce que peut utiliser l'homme et ce que peut fournir le milieu naturel. Et c'est EDF qui est chargé d'appliquer ces directives. Alors, question, comment fait EDF pour assurer cet équilibre et fournir un débit suffisant, notamment dans les périodes tendues? Le secret, c'est de connaître quelques jours à l'avance comment va évoluer le débit de la Vienne pour le prévoir et le réguler. Pour cela, EDF s'appuie sur des équipes d'hydrométéorologues. Leurs prévisions sont ensuite utilisées par le Centre d'optimisation de la production. Ils programment au plus juste le fonctionnement des centrales hydrauliques et la quantité d'eau utilisable. Aux abords de Châtellerault, les courants et les rochers ont laissé place à un large et calme cours d'eau. Et les berges sont plantées des tours du quartier de la plaine d'Ozon. Ici, deux extrêmes cohabitent, le milieu urbain et la nature sauvage. Monsieur Segui, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général de la préfecture de région. Châtellerault est une ville qui a un enjeu majeur en termes d'eau potable. Alors nous avons vu au cours de notre périple que les usagers de la Vienne étaient nombreux. Comment l'État intervient dans la priorisation de tous ces usages? Alors il y a tout d'abord donc une fonction de vigilance permanente qui est assurée par les services de la police de l'eau, sous l'autorité du préfet. Alors, l'État a un souci premier, c'est la protection des populations. Dans un second temps, c'est de s'assurer que le débit biologique est suffisant pour permettre donc à la faune de vivre dans des conditions satisfaisantes et dans le même temps, de s'assurer que tous les usagers, notamment industriels, qui sont à proximité de la rivière Vienne, puissent prélever de l'eau et en rejeter dans les conditions réglementaires qui ont été préalablement fixées. Alors EDF gère cet ensemble de réserves, il y a quelques usages aussi, quelques besoins. Quel contrôle vous apportez sur cette gestion? Bien, c'est déjà de s'assurer du débit réel, de vérifier qu'on ne tombe jamais en dessous des 10 mètres cubes seconde, donc à hauteur de Lussac-le-Château. N'oublions pas que la Vienne est aussi une rivière importante pour les poissons grands migrateurs. Pierre Portafay, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'Ogramy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'Ogramy et votre activité? Alors l'Ogramy, c'est une association, l'association Loire Grands Migrateurs, qui s'occupe du suivi et de la gestion des poissons migrateurs sur l'ensemble du bassin de la Loire. Ici, particulièrement à Châtellerault, on a une station de comptage qui nous permet de savoir combien de poissons chaque année passent. Pierre, nous voilà dans un local un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes? Alors nous sommes dans ce qu'on appelle une station de comptage où on filme en fait tous les poissons qui vont passer dans ce pertuis qui est situé juste au-dessus de la passe à poissons. D'accord. Donc tous les poissons qui franchissent l'ouvrage vont obligatoirement passer par ici. Alors on voit passer tous les poissons, ça peut être le saumon, la lamproie, la lauze, la truite de mer ou l'anguille. D'accord. Et on en voit passer beaucoup tous les ans? Comment ça se passe? Alors ça dépend des espèces. Pour la lamproie, on est monté à 50 000 individus par an. Années, il y a quelques années. La lauze, on est aussi monté à 10 000. Par contre, pour le saumon, on n'en a qu'une dizaine chaque année. Nous allons terminer notre parcours au fil de l'eau pour découvrir un usage qui est des plus communs dans l'ensemble des rivières de France, c'est la pêche de loisirs. Et nous allons rencontrer Jacques, qui est responsable de l'association de pêche locale. Et je vois Jacques, d'ailleurs, qui est en pleine action
au bord de la Vienne. Nous allons essayer de rencontrer sans trop casser son coup de pêche. Bonjour Jacques. Bonjour. Ah, ça mord ? Un petit peu, quelques petits poissons. Et vous pêchez quel type de poisson ? C'est de la pêche au cou, c'est ça ? Moi là je fais de la pêche au cou. Mais on peut pêcher aussi bien le carnassier, le silure, le brochet, la carpe. D'accord, et ça fait combien de temps que vous pêchez ? Oh, à peu près depuis l'âge de 12 ans. Et depuis l'âge de 12 ans, la qualité de l'eau a évolué favorablement ? Ah oui, parce que pendant un moment, la rivière, vous promeniez en canoë ou en bateau, dans un mètre d'eau, vous ne voyez pas le fond. D'accord. Alors que maintenant, on le voit. Et depuis que les débits sont plus régulés, comment ça se passe ? Le poisson se porte bien ou... Pas plus mal, hein, puisque d'ailleurs pour sa frais, c'est nettement supérieur. Bon, il retrouve les herbiers, et puis c'est plus compatible à ce que l'était la rivière autrefois. Ouais, mais écoutez, bonne pêche et à bientôt. Merci. Hein. Au revoir. Bonne continuation. Nous arrivons à la fin de notre parcours au fil de l'eau sur la Vienne, où nous avons rencontré un certain nombre d'usagers, avec des intérêts parfois très contradictoires. Et nous avons vu aussi que pour concilier l'ensemble de ces intérêts, le SDAJ fixe un certain nombre de valeurs de débit sur la Vienne. Le travail d'EDF, c'est justement de faire en sorte que ces débits soient respectés, quelles que soient les conditions. Donc c'est grâce à nos outils, grâce à nos équipes qui se mobilisent et qui se coordonnent régulièrement, qu'EDF arrive à concilier l'ensemble des usages. Sur ce, je vous dis à bientôt, et je continue mon parcours, mais tout seul.